bien ce tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 22 de notre incroyable aventure horrifique sur The Last of Us 2. Comme d'habitude, prévoyez un petit truc à boire et à manger, vous connaissez la musique? Éteignez les lumières, un casque ou des écouteurs, et si possible, profitez de la qualité 4K 60fps, parce que je peux vous dire que cette qualité-là, on l'aime et on l'adore. On a vécu beaucoup de choses dans le dernier épisode, donc là on continue, hein. Seattle, jour 3, 3 jours qu'on est là, on a chassé Nora, guerre, pas l'amour. Et on l'a littéralement arraché. C'est ton préféré. Donc, on continue, on sait où est Abby, elle s'est cachée près d'un aquarium. Et on est où? On est dans quelle partie du théâtre là? J'étais jamais venu ici, incroyable. Régalez-moi, régalez-vous, nous c'est le goût, j'ai envie de vous dire. Rien du tout à pécho là, vraiment, on en est là? Alors attendez, parce que quand je vois des décors comme ça, ça peut sentir le goudron. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut ne pas sentir très très bon. La petite Dina, il n'y a personne pour m'accueillir au réveil. De bon matin. Et ça, ça sent encore moins bon. Que dalle, hein. Que dalle. Attendez. Attendez, ça sent pas très bon. On a 106, en vrai on peut faire évoluer les choses. Flèche supplémentaire, appuyez sur L3 pour bloquer votre respiration. Piège explosif amélioré, molotov amélioré, piège explosif supplémentaire. En vrai, ça et ça, c'est pas mal. Ça coûte pas très cher. On peut largement se le permettre. Et on peut même se faire mettre, si on le souhaite, évidemment. C'était une blague de merde, je suis désolé les gars. Mais on fait avec ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a là? Tiens, tiens, tiens. Collectionner des kits médicaux plus efficaces. Allez. Ça, ça me paraît être un must-have, évidemment, à avoir en 2020. Dina, Jesse. Ça va swinguer, hein. Qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre ma race ou quoi, là, les gars? Quelqu'un là-dedans? Ils sont où, tous les deux? Oh, ça sent pas bon. Il se passe quelque chose. Ouais, je vais m'entraîner, parce que là, j'ai besoin d'un peu de romantisme et de souplesse, hein, les amis, hein. J'ai besoin d'un... J'adore. Je suis avant tout une grande musicienne. Et la guitare, ça me va. Ça me réussit plutôt bien. Bon. Je sais pas du tout où ils sont. On était à l'arrière de la scène. Maintenant que j'ai localisé, on peut se barrer. Rien à ramasser, c'est très bizarre. J'ai l'impression que ça va être cocasse derrière cette porte. Elle a eu une sale nuit. Même l'eau ne passait pas. T'aurais dû me réveiller. Elle est enceinte. Je comprends pourquoi t'es ici. Mais il faut qu'on la ramène. Elle a besoin de soins et elle sera pas capable. Oui, je sais. Je sais. Mais je peux pas abandonner Tommy. Il est ici à cause de moi. Tu pourrais peut-être la ramener. Elle partira jamais sans toi. On s'en tape. On va chercher Tommy. L'aquarium dont cette fille t'a parlé. On n'aura qu'à attendre là-bas. Jusqu'à ce que Tommy trouve Abby.
Et ça te gêne pas de laisser Dina toute seule? Ce sont ses ordres. Ok. On va lui dire qu'on part, alors. Je te rejoins devant. Ouais. Salut. Salut, toi. Il faut que tu viennes fermer la porte. Ok. En route. Première fois qu'on part en route avec Jesse. Ça devrait être par là. Ouais. Bon. Comment on fait pour rester au sec dans cette ville? Ok, vas-y. Eh bien, direction l'aquarium. Ok. C'est compliqué là, hein. La météo de Seattle, j'avoue que c'est pas trop ça, hein. Allez, mon Jesse, on y va. Merci. Ok, aquarium. On espérait trouver Tommy à l'aquarium. Je lui ai pas dit que tu savais. Attends. C'est ça que... Non, c'est bon. Attends, mon petit Jesse, pas à moi. Je connais bien ce genre d'endroit. Non, je crois pas. Nora a dit qu'Abby se cachait là-bas. Elle t'a dit pourquoi ils avaient fait ça? Ouais. Joël s'est brouillé avec des lucioles. D'anciennes lucioles, maintenant. Ah ouais? À cause de quoi? Ils faisaient du trafic avec eux. Et ils se sont engueulés à cause de la marchandise. Une bagarre a éclaté et il y a eu des morts. Je suppose qu'ils ont voulu se venger. Merde. Ça change quelque chose pour toi? Non. Au fait, j'aimerais bien mettre une chose au clair. Quand on aura trouvé Tommy, on sera d'accord pour rentrer. Ouais. Et tu laisseras quelques-uns de ces enfoirés en vie? Il faut que Dina rentre à Jackson. Ok. On est d'accord. Ok. Les doubleurs sont très très bien choisis, pour le coup. En vrai, même Jesse et tout, franchement, ils ont pris un... J'apprécie tous les doublages. C'est vrai que Naughty Dog prend vraiment soin de bien sélectionner chaque doubleur en fonction. Je sais pas comment ça marche dans les autres pays, mais c'est vrai que pour la France, il y a un soin apporté quand même et ça fait plaisir. On peut essayer. Ça fait plaisir. Allez, nous aborder. Eh ben non, j'ai pas dû entendre ce qu'il m'a dit, l'autre Jesse. Ok, ça va swinguer. Viens, Jesse. Ok. Partir en couille, ça. Bon, c'est pas la peine. Eh ben, c'est pas grave, on va prendre des portes un petit peu plus loin. Attends, il a essayé, ce con? Il est mignon. Il est mignon. Par contre, j'ai vu un petit truc qui m'a plu. Hop! Voilà, ça, c'est pas mal. On prend... Ah, oh! Ça, c'est vraiment pas mal pour le coup. C'est ça que j'ai vu. Hop, le scotch est dans la popoche. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Eh ben, pas grand chose pour le coup. Allez, on se casse. Alors! Je crois qu'ils vont foutre la merde à Jackson après ça. Hein? Comment ça? Ah ben, on aura buté pas mal d'entre eux. Et dans leur ville. Oui, mais c'est de leur faute. Mais pourquoi ils sont pas venus à Jackson à cause d'un truc qu'a fait Joël? Mais ici, c'est pas comme Jackson. Joël et Tommy ont aidé Abby quand elle s'est fait attaquer. Eux, ils essaient de buter tout le monde autour d'eux. T'as bien vu, ils t'ont tiré dessus sans hésiter. Ouais. C'est vrai.
Ça fait combien de temps que Dina est malade à ce point ? Quelques jours seulement. Tu l'aurais vu quand on est arrivé ici. Elle a défoncé un paquet de wolves. Tu serais resté sur le cul. Ça m'étonne pas. Faut pas la chercher. Ok. Full stuff. Je vais se faire un petit plaisir ici. Des petits plaisirs gourmands, vous savez que c'est cool. Ça en prend. Je vais pouvoir one-shotter 4 personnes. Donc clairement, ça a pas de prix. En temps de guerre. Nous sommes en temps de guerre, les amis. Hein. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est El Macron. Hein. On va tout fouiller. Voilà. On prend, on se régale. Qu'est-ce que tu branles bien, Jesse? On va fouiller là-dedans avant. Sur un malentendu, on peut trouver du très très lourd. Bah voilà. Bien sûr qu'on trouve du très très lourd. Oh, une carte, ça fait longtemps en vrai. On va la lire. Tormentra. Tormentra, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des tornades? Qu'est-ce qui se passe? Elle a l'air très énervée. Adolescente douce et compatissante, Iris est harcelée par ses camarades de classe. Cependant, sa vie bascule le jour où une mutation génétique latente se déclenche et lui donne le pouvoir de convertir la détresse en énergie cinétique avec une puissance proportionnelle à la peine ressentie. Aujourd'hui, en tant que psychocriminologue, elle absorbe le pire de ce à quoi elle est confrontée et le retourne contre les malfaiteurs. Beaucoup soupçonnent Tormentra d'alimenter la douleur de ceux qui s'opposent à elle avant d'exploser, créant ainsi un cycle infini de souffrance. Et c'est une méchante neutre, en vrai. Ouais, c'est-à-dire que quand il s'agit de faire le boulot de psy, elle est cool. Tu vois, elle est ok. Elle fait son boulot correctement, convenablement. Pas grand-chose à lui reprocher, vous voyez? Ok. Et franchement, là, je pense... Arc, je sais pas trop quoi améliorer. En vrai, on peut vraiment améliorer beaucoup de choses. Stabilité, capacité, stabilité aussi. Non, je sais qu'est-ce qu'on va faire. On va améliorer celui-ci. Le pompe, il est assez redoutable. Et les gars, 6 balles. 6 balles dans le magasin, c'est pas mal. Le magasin ou le magazine? Je crois qu'on dit le magasin en France. Mais je sais qu'aux États-Unis ils disent magazine. Ou peut-être qu'en France, on dit aussi magazine. Je ne sais plus. Quoi qu'il arrive, c'est magazine au steak. J'appellerai quelques contacts. J'ai le bras assez long. Pour l'instant, ils sont pas... C'est pas la régalade. C'est pas le plus grand jour de notre vie, si vous voyez ce que je veux dire. Ok. C'était la porte qu'on avait essayé d'ouvrir. Malheureusement, sans succès. Oh, du scotch. Oh, mais le scotch, cette denrée, les amis. Et ben voilà. Allez, aide-moi, Jesse. Viens m'aider. Ouais. Allez, vas-y. Par ici. Sans déconner. Pourquoi j'ai poussé l'armoire, Jesse? Dis-moi juste. Pourquoi elle m'a rien dit? Pour le bébé. Écoute. Je suis sûr qu'elle t'en parlera quand. Qui t'a dit ça? Le chef en tête. On s'assure que la voie est libre. Bon. On attend le reste des unités. Et on lance la. La dernière fois. Ce sera pas comme la dernière fois. J'ai la trouille. On a tous la trouille. Ah. Ok. Qu'est-ce qu'on voulait faire quand c'est ça, putain?
les intrus ! Poursuivez ! Voilà ! Voilà ! C'est un... Et là, on était censé faire quoi en fait? On n'a aucun putain d'échappatoire. J'ai attendu, j'essayais de comprendre, j'essayais d'avoir l'issue. Mais on n'avait rien en fait, là c'était pas possible. Putain, t'as un pont, faut le dire plus vite, ça. Je te trouverai. Ah oh. Je te trouverai. Voilà. C'est une blague. S'il vous plaît, Zinedine. Elle a survécu ? Hé ! Approche ! Regarde-moi dans les yeux ! Ouais ? Ok, on se calme. Ouais ? T'as déjà pris une brique dans la gueule ? Eh ben, ce sera pas une brique. Le mec qui fait des feintes, t'as déjà pris une brique dans la gueule ? Non, non ! Oh putain, attendez. C'est Wolf. Ils ont la gâchette facile. Ils sont en guerre contre ces fanatiques à la con. Je les ai entendus en parler. Des séraphines, un truc comme ça. Séraphites. Moi, je les ai entendus les appeler Sciar. T'en as croisé ? Non. T'as de la chance. Pour le coup, sans faire la mauvaise langue, je voyais vraiment pas où aller. J'ai fait exprès d'attendre au spawn, en fait, pour comprendre où ils pouvaient aller et tout. Et en fait... T'es obligé d'être opéré, donc c'est le petit côté un peu triste de cette histoire. Quand on y pense, bon bah c'est pas grave, hein, ça part en free fight, mais bon. J'avoue que je n'étais point préparé à cela, hein, si je puis me permettre. Allez, on va prendre ça. On va prendre ça et on va... Et j'ai pas de scotch, donc on va rien faire du tout. Mais au moins je peux en tuer deux. Allez, un petit scotch s'il vous plaît. Ça va mon Jesse, t'as pas du scotch Jesse là ? Ah. Allez, un petit scotch, s'il vous plaît. Hop, ça, je prends. Ça, c'est de la vie gratuite. Hein. C'est de la vie gratuite, il n'y a besoin de rien faire d'autre que prendre. Ah ! Pardon ? 9 balles, c'est le max ? Très déçu. Peut-être que ça rendait le jeu trop facile, malheureusement. Du PQ... Alors attendez, j'essaye de localiser, mais il n'y a rien en vrai là, non? J'essaye de voir. Sur un malentendu, il y a peut-être une carte, je sais pas, mais je pense pas. Je pense qu'on peut juste pas y aller. Allez, on continue, mon Jesse, viens. On est sur la bonne route s'il y a des ennemis, j'ai envie de vous dire. Mais on n'a pas fait beaucoup de chemin en vrai pour rencontrer... C'est-à-dire que il s'inquiète pas plus, mais il y a quand même du monde qui traîne près du théâtre. Hein, donc, je serai toi, mon petit Jesse. Le Seattle Conference, ok... Welcome to Comic Expo! Il y a un bail là. C'est quoi le délire avec ces affiches? Tout ça, c'est des comics. Attends, c'était quoi cet endroit? Un rassemblement de gens qui aimaient ce genre de trucs. Des gens comme toi, quoi. On n'est pas nés à la bonne époque. Ok. On peut passer par là. On peut monter là, c'est ça? J'ai pas compris. J'ai pas saisi toute l'importance de la scène là. Ok, cascade! Putain, faut vraiment tout fouiller en fait. Regardez, on a un. Ah oui! Ah, c'est une belle récompense. Excusez-moi, monsieur, hein, j'étais obligé de vous plier. C'est
c'est une très belle récompense. Là, il y a peut-être... Oh, regardez-moi ça. Je le savais, dans un petit truc comme ça, tu vois. Un petit truc un peu ghetto, là. Hop, une paire de ciseaux. Et des pétards, des bisons 2. Ça fait plaisir. Qui se souvient... Qui se souvient d'ailleurs bison 1, bison 2, toutes ces conneries là? C'était lequel qui ressemblait à un bâton de dynamite, sa mère? Non, faut les courir vite et loin, hein. Trop de problèmes, je crois qu'ils ont interdit ça en France. Beaucoup trop de problèmes. Beaucoup trop de problèmes. Alors, eh ben y a rien de plus, allez on se casse. Viens mon Jesse, tu m'aides pas beaucoup mais enfin bon. Oh, le jeu est quand même magnifique, hein. Le jeu est quand même magnifique. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Très bien. Ok, on passe au-dessus ou en dessous? Allez, on passe en dessous. Allez, viens, mon Jesse. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure au sujet de Dina? Tu m'as dit qu'elle me le dirait quand... Quand tout sera réglé ici. Il y a un moment où ça va être difficile de le cacher. Elle t'a dit si elle comptait le garder? Non. Bien sûr qu'elle va le garder, t'inquiète pas. Oh! Oh les petits coquins! Vous cachez des trucs! Il faut pas, voyons! Très bien. Très bien, là on a rien. Et là, attends. Hein. Désolé mon Jesse, mais toi tu viens de prendre l'aventure en cours. Moi ça fait quand même deux épisodes que je suis là. Hein. Donc j'ai appris à tout. Oh, ce boy, j'ai appris à tout couiller. Hein. C'est un vrai bordel. L'aquarium. C'est là où il y a la roue. Il est juste à côté de la grande. Voilà. J'espère que Tommy a les mêmes infos. Oh putain, bon. Allez, on se parti pour 3 épisodes. Ouais. Merde. Va falloir y aller à la nage. C'est pas grave, c'est la vie. C'est la vie que j'ai choisie. Oh, c'est bien dégueulasse. Allez, on y va. Y a... Oh yes, il y a ma traînée derrière, très bien. Voilà, ça va être des labyrinthes, je pense qu'on va rencontrer des scars. Accompagné de notre ami Jesse, donc ça va swinguer. On va où maintenant? Suis-moi et ferme-la. J'essaie de voir ça. Il y a de tout en plus, hein, putain. Oh, il y a vraiment de tout, hein. Donc, un à droite. Il y a The Grudge à gauche. Aveugle, hein. Oh, j'ai vu des trucs briller là-haut. J'ai vu des trucs briller là-haut. Super. Frère, tu vas faire un commentaire dès que je fais quelque chose de magnifique. Tous mes moves sont magnifiques. J'entends plus rien. Allez, ouais, j'ai l'impression.
très bien alors. Si c'est le dernier, on fonce. Comment on va faire pour aller là-haut? Comment on va faire pour aller là-haut? Quel est le chemin? Eh ben, il faut encore monter, je pense. Allez-y! Allons-y! Bah oui, je dis allez-y, comme si, genre, c'est pas moi qui jouais et tout. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça, on prend. Ça, on prend. Une brique, j'ai déjà, évidemment. Ça devient un classique, ça, hein. J'ai appris le retournement rapide. Alors? J'entends que des jaloux par ici. Est-ce que vous croyez que ça se passe sous l'eau? Est-ce que vous croyez que ça se passe? Genre, ok. Très bien, c'est... Y'a rien en fait ici. On est venu pourquoi? On a juste fait souffrir désinfecté. C'est quoi ce délire? Pas ouf? Je me casse. Pas ouf du tout. Ah, on est venu. Non, attendez, il y a un bail. Forcément un bail. Il y a un bail et croyez-moi que je vais le trouver, bordel. Non, c'est pas la con, Ellie. On reviendra pas ici. Il y a un bail. Il faut aller là-haut, vraiment. Mais comment? Ah putain, bien joué ça. Ça c'est bien joué ça. Bien joué Miley. J'ai dit que je lâcherais pas. Hein. Il y en a d'autres. Ça ok. Putain les gars, tout ça pour regarder ce qu'il y a. Ok, cette fois c'est fini. Une balle de pistolet, sa mère. On dirait que c'est une impasse. Ouais. Juste pour ça. Je crois que t'as raison. C'est n'importe quoi. Putain. À la pauvre poire qui me trouvera. J'ai les mains qui tremblent, mais il faut que tout le monde à la base le sache. Je me suis fait attaquer en allant relever Misha au poste de surveillance du monorail. Un scar. J'aurais juré que c'était ce bon vieux Gray. Merde, j'ai la tête qui tourne. Rendez-moi service et abattez-moi ce fils de pute. Et dites à Mish que je suis désolé. Et j'ai fait aussi vite que j'ai pu, Jensen. On adore Jensen. Tout ça pour ce putain de papier de merde. Encore une sale journée en enfer. Et là, je suppose qu'il n'y a strictement rien. Ah voilà. Hein. Ah, ça finit parfois, malheureusement. The Last of Us est cruel. On a tué 4-5 infectés. On a utilisé beaucoup de balles. On n'en a presque plus, d'ailleurs. Tout ça pour deux ciseaux et un bout de papier. Hein. Donc, c'est moi la bonne poire. Bien joué. Bien joué, Naughty Dog. Vous m'avez eu... Oh putain, il m'a fait tellement peur. J'ai cru que c'était un infecté, mais quel con. Oh, Jesse, t'es un grand blagueur, toi. Hein. Allez, hop, c'est par là, la sortie. Je connais bien. Voilà, ça dégage. On peut monter là ou pas? Bien sûr qu'on peut monter. On peut monter là ou pas? Bien sûr qu'on peut monter. On peut monter là ou pas? Bien sûr qu'on peut monter. Par contre, je vois quelque chose briller là-haut. Je crois que j'ai des alus des fois, hein. Je vois vraiment des trucs briller. En fait, c'est assez bien foutu, mais des fois avec des faux reflets, je vois grave des trucs briller alors que mes couilles, si je peux me permettre de... Je tente des cascades en ce moment, c'est pas le meilleur move. Je crois que tu peux te glisser là. On va voir. Moi je me glisse partout, t'inquiète pas. Ah! Je veux revenir, Jesse! Non! Jesse, catastrophe. Je t'aurais suivi, tu sais. Si tu m'avais dit que tu partais. En fait,
Je pensais que tu trouverais l'idée stupide. J'aimais beaucoup Joël. C'est dégueulasse ce qui lui est arrivé. Je serai venu. T'es un vrai frère, mon Jesse. Joël t'aimait beaucoup aussi, tu sais. Il pensait que j'avais un faible pour toi. Ah bon? Ben, t'es plutôt pas mal comme mec, mais t'es pas vraiment mon genre. Quoi? T'aimes pas les Asiates? Manager. Ouais, c'est ça, t'as tout compris. Tanager, trop tard. Je crois qu'on peut plus regarder la carte. Faudra la retrouver. On a beaucoup de cartes hein, pour le coup, ça fait plutôt plaisir. On va pas tarder à s'arrêter là, je pense. On va tout fouiller au rez-de-chaussée. Puis dès qu'on est en haut, let's go. Voilà, petite cascade, un cafouaré. Carrément tordu. Montrez ça au rayon enfant. Ils avaient pas le même problème de champignons à l'époque. Ah. Ouais, c'est vrai. Avant, les gamins trouvaient ça mignon. Oh non, moi, les champignons, T'avais un livre préféré quand t'étais petite? Ouais. La guerre fantôme. C'est l'histoire de soldats d'espace qui se battent contre... Des fantômes? Des fantômes extraterrestres. Ouais. Ça, ça m'étonne pas de toi. Ok. Et toi, alors, hein? Ma mère avait qu'un seul livre pour enfants. L'enfant racine. C'est un garçon qui se transforme en forêt pour sauver son village. D'accord. Ça a pas l'air. Pour éviter que je m'en lasse, ma mère changeait la fin à chaque fois. Une fois, le garçon décidait de laisser mourir tout le village. J'en ai fait le cauchemar. L'angoisse. Mais c'était gentil de sa part de faire ça. Ouais, elle est super, ma mère. Par contre, elle va péter un plomb en apprenant pour le bébé. Ouais. Je vais bien le croire. Prends la chance, sa mère, elle est encore vivante. Je vois qu'il y a des gens qui ont beaucoup de chance par ici. Bienvenue en enfer. Le sang est tiède. Viens, on retourne dans la rue. Ouais. C'est ici, la rue. Allez, les amis, on va s'arrêter juste ici. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire et je vous dis à demain pour la suite de notre aventure avec Jesse qui nous accompagne cette fois-ci quelques épisodes à mon avis. Portez-vous bien, bisous tout le monde. Ciao, ciao.